Bonjour à tous. Dans le premier épisode, on avait parlé d'un des premiers films dont avait participé Hayao Miyazaki. Maintenant, on va parler de son dernier, Le Vent se lève, sorti en janvier dernier en France. Eh bah... Jingle ! Ce film est un mélange d'histoire vraie et de fiction. Miyazaki s'est à la fois inspiré de l'histoire de Jiro, l'inventeur d'un des avions les plus utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un peu LE avion, un chasseur rapide et moderne. Il a aussi utilisé l'histoire d'amour de l'écrivain Ori Tatsuo, dont la femme est morte de tuberculose. Guerre mondiale, tuberculose, ambiance. Jiro est un passionné des avions depuis sa tendre enfance, mais manque de bol, à cause de sa vue, il ne pourra jamais devenir pilote. Qu'à cela ne tienne, il s'est dit qu'il pouvait au moins les inventer, les avions. Là, vous avez le pitch de départ, mais étant donné que le personnage va évoluer dans l'histoire du Japon avec un grand H, il va assister à des événements majeurs de son pays, comme le séisme de 1923 qui a fait table rase de Tokyo et de toutes les régions autour. Du coup, ça leur a permis de tout reconstruire à neuf. Les personnages sont dans un contexte d'avant-guerre et d'après-guerre, ça veut dire que le passé est douloureux et le futur incertain. Pourtant, le personnage va trouver l'amour malgré que la mort guette sa femme. Faut que j'enchaîne après ça. Ce film est une mine d'analyse, il y a tellement à dire. Déjà, il est important de noter que pour une fois, le film est bien ancré dans la réalité. Et la réalité, Miyazaki nous le dit, elle est dure. Il est important de mentionner la scène du séisme, particulièrement impressionnante et marquante, surtout d'un point de vue de réalisation sonore. Et le son, c'est quelque chose de très important dans ce film. Étant donné que c'est de l'animation, rien n'a été laissé au hasard, et les sons ont même été faits à la bouche. Petite anecdote, Miyazaki a participé au casting pour faire les sons à la bouche. Mais il a été jeté. Parce qu'il était trop nul. Eh oui, la réalité, c'est dur. Voilà. Miyazaki a mis beaucoup de lui dans ce film. Il est important de connaître le mec pour comprendre le film. Son père était constructeur des avions dont parle le film, et il lui a transmis sa passion des avions. Passion qu'on retrouve presque dans tous ses films, si vous regardez bien. Mais il a aussi la haine de la guerre, et ça se ressent dans le film. Jiro n'est pas spécialement pour la guerre, son truc c'est de construire des avions, et les mitraillettes ça fait que les ralentir. Cette guerre bride ses compétences plus qu'autre chose, il a peu de moyens et beaucoup d'idées. Miyazaki fait également clairement ses adieux au cinéma dans ce film. Dans ses rêves, Jiro rencontre un célèbre constructeur d'avions italien. Caproni! Ce personnage fait figure de mentor pour le jeune japonais, le rassurant dans ses choix, mettant en avant la beauté des avions jusqu'à instaurer une relation père-fils. Difficile de ne pas voir ici la relation qu'entretient Hayao avec son fils, Goro, lui-même réalisateur chez Ghibli. Dans la vraie vie, les deux loustiques ne sont jamais d'accord dans la façon de réaliser un film. Par contre, quand ils se parlent à travers leur film, on assiste à des échanges très respectueux entre eux. Ici, Hayao semble affirmer qu'il a confiance en son fils. Après tout, il est jeune, il a toute la vie devant lui pour faire de bons films. Ce film a parfois été critiqué comme faisant l'apologie de la guerre. Vous fumez les mecs ou quoi? Hayao, il est pacifiste. Il faut dire que Jiro n'est pas une personne très appréciée parce que son avion est un symbole de guerre, mais Miyazaki a voulu lui rendre justice ici en le rendant plus humain, grâce notamment à l'histoire d'amour. Par contre, il faut s'attendre à être déçu par ce film quand on est habitué de Miyazaki, car ce film est très réel. Par exemple, la musique qui est très présente dans ses anciens films est ici en retrait, parfois même absente, laissant place au silence et au souffle du vent qui est ici le thème du film. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Il faisait sa lessive. Alors, elle est propre la lessive là? Ah, je sais pas.